DJ Rectangle, fuck that shit up right here. Combien de fois êtes-vous intervenu à l'émission? Un certain nombre de fois, les premières fois que ça doit être dans les années 1900, enfin à la fin des années 1990, début 2000, quand j'ai connu Reda. Et pourquoi justement vous soutenez l'émission et Reda? Ben, tous les problèmes de discrimination et les problèmes de, donc notamment du sida, ça nous a toujours, on a toujours été concernés. Oui. Et surtout, et plus particulièrement quand ça concerne mes frères du tiers-monde. À propos de l'émission d'aujourd'hui, quel a été votre moment, on va dire, préféré? Ben, tout. On ne fait pas de discrimination. D'ailleurs, quand je dis mes frères du tiers-monde, mes frères et sœurs du tiers-monde. Je rectifie, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'émission d'aujourd'hui qui vous a un peu énervé ou interpellé? Énervé, non. Le gros problème, c'est sur le plan personnel, donc à titre émotionnel, parce que ça rappelle notamment certains enterrements, certains amis que j'ai connus qui sont décédés du sida. C'est quand même assez stressant. Ben, c'est des souvenirs qui font toujours mal et qu'on n'oublie pas. Selon vous, quelles questions l'équipe radio a-t-elle oublié de vous poser ou quelles questions vous auriez aimé qu'on vous pose? Si on en reste dans le cadre de l'affaire du sang contaminé, c'est toute une émission et complètement préparée. C'est-à-dire non comme aujourd'hui où c'était bon, ça parle d'un point, on va repartir à un autre point, mais qu'elle soit beaucoup plus structurée, et là c'est assez terrifiant. Mais d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que nous avons fait un certain nombre d'enregistrements au cas où il m'arrive entre guillemets un accident, parce que les menaces de mort et autres on connaît. Et tout de même, ça ne changera strictement rien sur le fond. À un moment, j'ai eu très peur. J'ai vraiment très peur. Je n'osais même pas sortir et tout. Vu les menaces qui étaient très précises, je peux crever tranquille. Je sais que le message a été transmis. Il y a plein de choses qui sortiront un jour.